Donc les gars, c'est Kian, je vous retrouve sur Andoria, c'est parti, let's go. Ok les gars, donc les gars, on se retrouve sur Andoria les gars, un serveur PP faction farm to win, et je crois qu'il est un peu pay to win si vous allez sur le site tout simplement. Mais bon, comme je pense que vous êtes là, c'est surtout pour essayer d'avoir des grades gratuitement tout simplement. Donc les gars, on va commencer directement avec les commandes, le slash menu pour voir à peu près tout. Alors les kits, c'est tout ce qui est kit minerai, enchanteur, éleveur, destruction, construction, pomme, druide, explorateur et kit potion tout simplement. Après les gars, vous avez toutes vos informations, voilà. Obsidienne, pétable au bout de 15 coups, du 15 000 par 15 000. Après les gars, vous avez les events mais que je vous montre après. Donc après on a la boutique, les grades, on a le grade chevalier, prince et légende. On a les voir. Warp Totem, Warp KOTH, Warp Invest, Info, Caz. Donc les events, c'est à peu près ça, si vous voulez faire une petite pause, voilà. Hein, je vais un peu vite, mais après, les gars, voilà. J'ai juste à faire un slash event, et là, je vous laisse regarder, tout simplement. Voilà, pour ceux qui veulent mettre cette pause. Après, les gars, on a le slash rewards. Bon, je viens déjà de le récupérer aujourd'hui. Ça m'a donné une petite pioche efficacité 3, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on va passer à tout ce qui est nouvel item, etc. C'est parti. Donc les gars, on va commencer par l'Andoria Chunk, voilà, qui vous permet de miner en 3x3. Non, plus sérieux, en gros, c'est comme un chunk core comme on a sur le serveur. En gros, vous le posez, et puis après, ça casse, tac, et c'est du 1, c'est ça. Du 1x1, tout simplement. Hop, je vais lui reposer là. Après les gars, donc là, on a l'armure de farm. Donc les gars, si vous voulez, je peux me la prendre. Hop. Donc les gars, en fait, ça vous donne Speed 2, Ast 2, Fire Aspect, non, Fire Protection 2. Voilà, tout simplement. Surtout. Après, on va aller dans l'Andoria Harvester. L'Harvester permet de récolter les carottes et les patates, tout simplement, le blé dans le Sandchunk, tout simplement. En gros, les gars, le but du cœur, c'est en fait, on doit tuer le cristal de laine, tout simplement. Après, le totem, vous devez le casser. Après, les gars, le totem, vous devez casser le totem 5 fois. C'est ça, ça veut dire 5 fois, je suppose. Après, les gars, on a l'Andoria Bot. Voilà, alors, les nouveautés de farm, alors, les melons se... Ok, les gars, les melons se cassent automatiquement sur le serveur et les cannes à sucre aussi, tout simplement. Après, on a les citrouilles d'eux-mêmes. Après, les gars, on a la houe, on peut la nommer houe de farm. La houe nommée houe de farm vous permet de récolter et replanter automatiquement des plantations en un seul clic, tout simplement, les gars. L'armure de mineur vous permet d'obtenir des effets Speed 2, Ast 2, ainsi que Fire Resistance 2, les effets. Sommes uniquement sous la couche 50, tout ça. À partir, en gros, les gars, quand vous avez miné, c'est à partir de la couche 50 que les effets commencent à les prendre, les effets, voilà. Après, les gars, comme on connaît tous le hammer en 3x3, donc en gros, ça mine 3x3, tout simplement. Donc, les gars, on a la houe de farm, en gros, ça vous permet, en gros, par exemple, vous cassez vos cultures. Alors, je sais pas si c'est marqué. En gros, vous cassez vos cultures, tac, 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 et en fait, ça les replante automatiquement, tout simplement. Donc après les gars, alors on a la pioche à spawner qui vous permet de, en fait, de récupérer des spawners jusqu'à 5 spawners tout simplement. Voilà, et après, alors les gars, là c'est le random ore, donc en gros par exemple vous posez, hop, je pense pas que j'ai la peine de poser les blocs depuis tout à l'heure que j'ai regardé. En gros, vous, par exemple, il y a un bloc, quand vous minez, par exemple là, tac 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 tac, et que vous arrivez devant un bloc comme celui-ci, en gros, hop, sur ça. Vous le minez et puis vous pouvez tomber sur un item aléatoire, tout simplement, plutôt un minerai aléatoire. Bon, comme je vous ai déjà présenté le slash rewards, les gars, donc vous n'avez plus qu'à récupérer vos récompenses tous les jours, et puis tout simplement, c'est tout. Donc les gars, c'est déjà pas mal pour ce petit serveur, donc... Ah oui, aussi, pour ceux qui veulent savoir, le serveur ouvre le samedi 2 mai à 15h, tout simplement, donc soyez présents, et moi je serai normalement présent sur le serveur. Et voilà, donc moi les gars, je vous souhaite une bonne soirée, c'était Kylian, salut à tous, et une bonne journée, tout simplement. Et bye!